Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous allons continuer notre aventure sur le jeu à la recherche donc des Élusis perdus, les trois Élusis qu'il nous manque. Nous avons un boss ici à tuer. Alors c'est un Linel, si je ne dis pas de bêtises. Un Linel bleu, il est où? Il est là, ok. On va aller se le faire. Tadam. Ah, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Allez, zoom. On va quand même essayer de se mettre une tenue qui tape. Ce sera mieux. Tintin, on en a une nouvelle de tenue, on va la tester. Voilà. Paf, ça c'est un coup à péter mon bouclier. C'est un bloc quand même, hein. Repaf. T'arrêtes de m'esquiver un peu là. Non, vous pouvez voir l'épée des jambes. Bon, bah une autre épée alors. On aura pas mieux que ça, hein. Paf. Ça va bientôt se briser, évidemment. Hop. Petite esquive. On tabasse. Il va falloir que je trouve des épées, hein. Il va falloir que je trouve des armes. Hein. Et merde. J'ai voulu faire genre. Paf. Et repaf. Tintin. Ça va crever un jour ou pas? Ça permet de prendre les lézards. Hein. Hop. Raté ça. Mais aïe. On va faire par crever, hein. Tadatatin. J'ai plus de repas en plus, je crois. Faut en manger. Nous avons mangé. Ok, ben zut. Relou lui. Bon. Alors, pas d'Élusis. Où est-ce que j'avais dit que je pouvais avoir les Élusis? Ah oui, j'avais dit que je prenais les grottes, mais j'ai pas regardé. J'ai pas regardé les grottes. Mais on va trouver des grottes. Y a pas de grotte ici. Bon, on va enlever ça. Mais qu'il n'y ait pas de grotte là, on va. Faut aller voir. Faut trouver Coltine, quoi. Hop. Ah, c'était ça, c'était Coltine qu'il fallait que j'aille voir. Où je trouve Coltine. Est-ce que je vais chercher où est Coltine? Parce qu'il n'y a plus de grotte. Ouais, s'il peut y avoir des grottes que j'ai loupées. Comme pas là, quoi. Non. J'ai eu tous les Élusis ici, hein. Ok. Pas une autre grotte quelque part cachée. Non. Vraiment des grottes que sur le plateau du prélude. Coltine. Le problème c'est que je ne sais même pas où il est Coltine. C'est-à-dire que si je vais... Déjà faut que je trouve Coltine.
Et en plus, après avoir trouvé Goldin, faut que je sois sûr que ce soit le bon qui m'indique la bonne grotte, quoi. Il doit y avoir des grottes par là, non? Je suis jamais allé là. Là, j'y suis pas allé ici du tout. Forcément des grottes par là, j'y suis jamais passé. Non, il y a forcément des grottes. Forcément de ce côté-là de la montagne, c'est sûr. J'y suis jamais allé. C'est chez les Gerudo, mais j'ai pas dû les voir quand j'ai fait mon aérosol parce que c'est derrière le. Ah non, c'est chelou. C'est chelou, mais il doit y en avoir. C'est. Enfin. Moi, elles sont bien quelque part, c'est. Ces grottes, non? Paf, paf, paf. Paf, paf. On en a même plus assez, quoi. Je n'ai même plus assez pour faire ça. Alors. Je dois avoir une tenue anti-chaleur. Voilà. Hop. On va sortir. Petit artefact. Hop. Zou. Parfait. A priori, par là, devrait y en avoir une. Au moins une. Moi, je dis, il y en a au moins une. C'est obligé, non? On n'y est jamais allé. Le mont des Margonites, là. Forcément des trucs. Korogu, une grotte. S'il n'y a rien, c'est vraiment. Là, il y a des monstres. Pas une petite grotte cachée là? Il doit y en avoir une. Allez, touloute-cloute. Fais touloute-cloute le jeu. Non, pas touloute-cloute. Non, pas de touloute-cloute. Touloute-touloute. Touloute. Ah, bah, il y a quoi là? Là, il y a un camp. Il y a un monsieur. Bonjour. Tout est dans la tête. Salut toi. Moi c'est Diblan, l'homme qui tient toujours bon. Dis donc, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu dois avoir une sacrée trempe toi aussi. Qu'est-ce qui te dirait de te mettre à la résistance à l'épreuve dans les conditions implacables du canyon de Gerudo? On mise chacun 50 rubis, et celui qui gagne remporte le tout. Bah vas-y, hein. J'en attendais pas moins de toi. Bon, laisse-moi t'expliquer comment ça va se passer. D'abord, on fait ça sérieusement, donc c'est 50 rubis pour participer. Et celui qui gagne rafle la mise, comme je te l'ai dit. L'épreuve commencera demain soir au sommet de ce pilier. Et se poursuivra jusqu'à l'aube. L'objectif est de supporter la morsure du froid le plus longtemps possible. Si tu poses un pied au sol ou si j'estime que tu n'as plus assez d'énergie et que ta vie est en danger, paf, c'est perdu. Et attention, avec des habits appropriés, c'est bien trop facile de supporter le froid. Alors ce sera sans vêtements. À part ça, tu peux t'y prendre comme tu veux. Alors, tu es toujours partant? Oui. J'aime ton attitude. Tu iras loin, tu me fais penser à moi quand j'étais plus jeune. Tu vas pousser ta résistance dans ces derniers retranchements, alors je te conseille de te préparer. Fais-moi signe quand on peut y aller. Ok. Alors. Déjà. Faire résistance à la journée. Au vent, au froid, tout ça. Enfin, au chaud plutôt. Faut mettre un toit. Bien d'accord. Faut se faire de l'ombre. Sinon, c'est ce qu'on a suffisamment d'ombre là. Pas la question. Là déjà, on est en plein cagnard. Merde. Faudrait faire une boîte. Bah déjà. Ah! Ok. Et là, on est à l'ombre. Hop. Non. Ok. Maintenant, il faut de l'autre côté.
à l'ombre et ensuite faut penser au-dessus, non? Bref. Après, plus je mets proche, moins il y a de chances que ça. Qu'il y ait le soleil qui tape. Faudra un autre bout. Le soleil. Et ensuite, il faut. La chaleur. Hein. On va sortir ça. Bon, ça, je peux pas sortir ça, tu te fous de ma gueule. Moi, je vais être à droite, hein. Vous allez voir que je vais être à droite. Ça va être magnifique. Hop. Tu m'emmerdes. Comment ça je peux pas sortir ça ici? Quand même. Hop, attendez. Voilà, on va faire un truc comme ça. Ça, on peut monter. Mais on se prend pas le. L'air. Non, je peux pas monter. Super. Je suis kéblo. Ok, là, je peux monter. On voit absolument rien. C'est parfait. Ok. Ça, c'est bon. Et maintenant, il faut faire un feu. Hein, quelque chose. Parce qu'il faut résister au froid. Parce que j'ai pas le droit d'avoir d'armes. Non plus. Si je suis en slip, il faut un moyen de se faire du feu. Donc, un moyen de se faire du feu, c'est du bois et c'est tout. Hop. Je me fais un petit feu de camp. Ça suffit, vous pensez à un feu de camp? Deux feux de camp. Je vais chouchou de feu. C'est où ça? Je l'ai chouchou de feu. Ta 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 ta. Par type. On voit rien. Et je l'ai loupé. Là. Oh, il s'est fait un feu. Bon, c'est pas tout, hein. Ça suffit pas. Parce que si ça s'éteint, on est dans la merde. Il faudrait peut-être. Ça fait du feu, ça, je crois. On va sortir ça. Je vais juste enlever ça pour le moment. On va mettre deux marmites. Je pense que ça fait du feu, ça, hein. Je pense que c'est considéré comme un point de chaleur, non? Je suis pas certain. Là non, et si j'en sors une du coup? Sortir une. On n'est pas une... considéré comme de la chaleur. Ok, ça ne marche pas. Floute. On a pris ça, mais il faudra un. Parce que même un lance-flamme, ça va pas marcher.
Alors je drop une épée. Ça chauffe, non? Ouais, ça chauffe. On va sortir ça. Voilà, lame de feu. Hop, on remet ça. Et on lui dit, on est prêt. Petite chose avant de poursuivre. Ah. Comment ça? Comment ça, ça gêne? Mon feu de camp? Putain. C'est où qui gêne? C'est quoi qui gêne? L'épreuve reliée au sommet de ce pilier. Mais lequel? Parce que... Oui. On va se faire cramer la gueule, hein. Coucher du soleil, je vais crever, hein. Je vais perdre, on est d'accord. À l'ouest. Je suis à l'aise demain matin. Et sur ce, c'est parti. Ah, moi j'ai mon arme, hein. Moi j'ai mon arme, ça va, hein. C'est juste la morsure du froid. Ça va. Je me rajoute un. Ça va aller, non? Et merde. C'est trop grosse. Ah. J'ai un poteau là. C'est bien ça. On va se faire une... Voilà. Pas sûr que ça fonctionne, mais soit. Là, je suis sur le bon pilier. Sur celui que je pensais être. À portée, en tout cas. Je n'ai pas froid. Bah moi non plus, hein. Moi j'ai une superbe arme. Donc, on est en slip mais j'ai le droit d'avoir une arme. C'est pas mal. Il fait pas froid du tout, hein. Alors que ça indique qu'il fait moins 7 degrés quand même. Il fait moins 7 degrés mais j'ai une arme en feu dans le dos alors je n'ai pas froid. Ta ta ta. Bon, on va attendre. Hein. Ça va, monsieur? Vous allez bien? Il fait pas froid. Ta la ta ta. On va faire cette mission, cette quête. On en a pour combien de temps encore là? 22h50. Ok. On va attendre toute la nuit comme ça là. Il tient le coup, évidemment je tiens le coup. Pourquoi je tiendrais pas le coup? Ta 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 la. Yup. Bon. En attendant, on va parler de ce qu'il nous reste à faire sur Tears of the Kingdom. Les trois Elusis. Pas mal de quêtes secondaires, enfin de missions.
Et voilà, les quêtes des stèles aussi, je crois qu'il doit me. Il doit manquer quelques stèles à récupérer. Sur les îles étoiles, là, il doit m'en manquer 2, 3, quelque chose comme ça. Et puis voilà. Une fois que ce sera fini, bah, malheureusement, la série s'arrêtera. Parce que bah, il n'y aura plus rien à faire dans le jeu. Donc forcément. Après, peut-être qu'on fera un petit épisode, on essaiera de construire des trucs. Ou de voir si on n'a pas des constructions qui sont disponibles, on va dire, en ligne pour essayer de jouer avec. Ça pourrait être sympa. De voir 2-3 constructions. Ah, lui, il se paye le cul, forcément. Donc ça peut être sympa. De se faire quelques petites constructions d'assemblage Sonao. Et d'aller voir les meilleurs qu'il y a en ligne. Parce que je sais qu'il y avait des trucs de fou. Hein. Il y avait des constructions vraiment de dinguerie. Hein. On va voir si j'arrive à les refaire, mais ça pourrait être sympa. Déjà, ça c'est une mission en moins, déjà. En train de la faire. Ça faisait partie des missions que je n'avais pas trouvées, je pense. Hein. Enfin, nécessairement, puisque je n'étais jamais allé là. Bon, il tremble, est-ce qu'il va partir? Le Yok, là. Tout ça pour 100 rubis, hein. Sachant que c'est que 50, parce que on en a mis 50 à nous, mais maintenant qu'on est lancé, on perd 50 rubis, donc c'est pour 100 rubis. On a fait la moitié. Ah, ça y est, il commence à se les peler. Nous, tout va bien. Ça va, monsieur? Vous allez bien? Non, ça a pas l'air d'aller. Il va crever. Ta 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 ta. Petit saut. Ta 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 ta. Petit saut. Il y a un Korogu, hein, là-bas, on l'a vu. Pas de grotte. Pas de grotte ici. Où est-ce qu'il pourrait y avoir des grottes, sérieux? Encore un effort, il va finir congelé, le gars. Ta 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 ta. Oh, j'ai même pas besoin de prendre mon. J'ai même pas besoin de ça. Hein. On est d'accord, j'ai pas besoin de ça. Hein. Ça chauffe vraiment beaucoup cette arme. Hein. Papan, pan. Tu peux bouger comme ça si t'as froid. Un peu de sport. Papapapala. Non, bah écoutez. Je sais pas où sont les Ulysses. Je devrais peut-être aller chercher si, hein, où est Coltine. En attendant, voyez. En attendant que le monsieur se pèle le fiac. Alors la carte. Cristaux des Ulysses. Bah parfait, je tombe pile sur la carte. Alors. Placement des Élusis. 147 Élusis. Ouais, mais là, faut pas savoir lesquels j'ai. Emplacement de la boutique de Coltine. Voilà. C'est ça qu'on veut. Donc. Voilà. Nord du village de Zéro. Ça, on l'a fait. Nord-ouest du village de Goron. Alors, village E0, nord. Ensuite, on a village Goron, ouest. Enfin, nord-ouest. On a sud-est. Relais. Prairie gelée. En train de crever, le gars. On a sud fort de Guay. Ok. On a sud-est là qu'il y a. Ouais, celui-là on le connaît. Le carnet se barre.
Lac Ilia. On a mi-chemin entre village de Cocorico et limite. Ok. Ah, incroyable, j'ai perdu. Ben, il est mort. Le gars a mouru. Alors, je vais juste noter ça. Mi-chemin. Mi-chemin. Coco. Elem. Et enfin, sud-est du relais du canyon de Gerudo. Ok. Sud-est. Relais. Canyon. Gerudo. On n'est pas loin, quoi. En gros. Et ça vous permet, ça va nous permettre de savoir où sont les Élusis manquants. Incroyable, j'ai perdu. Le gars est mort. Sous nos yeux. Pour un défi à la con. Pour 50 rubis. Pas mal. Je n'aurais jamais cru perdre un jour, mais je dois reconnaître que ta force mentale est peu commune. Comme convenu, le gagnant remporte la mise. Tiens, voilà pour toi. Tu croyais que c'était fini, détrompe-toi. Dans la chaleur accablante que se manifeste ma véritable capacité de résistance, je te mets au défi de résister aussi bien que moi à la brouillure du soleil. Rassure-moi, tu n'es tout de même pas du genre à te satisfaire de la première victoire venue. Je t'attends. Merde. L'épreuve du chaud, alors. On va faire l'inverse. Oh, c'est toi. Salut, je me disais justement que tu étais le candidat idéal pour ce que j'ai en tête. Qu'est-ce que tu dirais de mettre résistance à l'épreuve dans les conditions avec lesquelles on l'attend, quoi? J'aime ton enthousiasme. 150 rubis en jeu? Tu m'expliques en détail, s'il te plaît. T'expliquer. L'idée de la compétition, c'est de miser chacun 150 rubis. Le gagnant remporte le pactole. L'épreuve commence demain matin, au sommet de ce pilier durera jusqu'au soir. L'objectif, c'est de supporter la chaleur accablante le plus longtemps possible. Si tu poses un pied au sol ou si j'estime que tu n'as plus d'endroit. Ok. Avec des habits appropriés, c'est pas trop, c'est bien trop facile. Oui. Ok. Bon, on va la faire, la quête. Donc, on va pas le faire trop proche, on va pas se mettre trop proche. Mais on va quand même essayer de se mettre de l'ombre. Ah sinon, est-ce que je peux pas lui mettre un lance-flamme à la gueule? Lui, je vais lui mettre des trucs qui chauffent. Ça, il va crever de chaud avant moi. Ça, si c'est pas... C'est pas de la fourberie, ça. Dégage-toi. Hop. Alors, on va se mettre de l'ombre ici. De l'ombre là. Alors, en vrai, je peux mettre plutôt de l'ombre là. Je suis pas sûr qu'il y en ait besoin, hein. On n'a pas besoin d'ombre. L'ombre elle vient de là et de là, donc on va faire plutôt un truc comme ça. Est-ce que ça gêne là si je fais un truc comme ça? Est-ce que j'ai... Ah! Mais... T'as pas voulu. Ah, c'est parce que t'es bloqué par ça. What the fuck? Ok. Soit. Là, je suis à l'ombre pour. Je suis pour le matin. Là, c'est pas mal, mais en fait, le soleil il va. Il est où le nord? C'est en ouest, mais il va passer là ou il va passer. Il va dans quel sens là, le soleil? Je décale vers là-bas. C'est pas là qu'il faut que je les mette les trucs, on est d'accord. C'est là. Il va faire de l'ombre. Ça décale. Ouais, bref. Là, on crève de chaud, hein. Non, même pas.
On crève pas de chaud là. Okay, on va virer ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Si je me mets un truc de froid. Ah, là il fait froid, ok. C'est déjà pas mal. Et peut-être que je me prends une potion. Hein. Concentré anti-froid. Non, c'est anti-chaud qu'il faut. Anti-chaleur. Pendant 6 minutes. C'est très bien ça. Et lui, je vais lui mettre un... si je lui dépose ça... D'accord que c'est... C'est fer. Je lui pose ça à côté. Bon, ça marche. On va prendre ça. Hein. C'est niveau 2. Merde. Non, j'ai pas l'intention de tricher. D'où ça gêne? C'est quoi qui gêne? Ah! C'est ma lame de feu. Oh, dommage. Bon, tant pis. Oui. Tiens, vas-y, vas-y. Prends-moi mes 150 rubis. Il n'y a plus qu'à attendre la position. Ok. Là, j'ai de la résistance à plus savoir qu'en faire. Parfait, le soleil s'élève dans le ciel et la chaleur monte. Sur ce, c'est parti. Quelle heure là? Il est 8h30. Honnêtement, là, notre résistance elle est très haute. Ok, elle est très haute. On va juste attendre. Ça me paraît ok. Alors du coup, en termes d'élusis, il nous reste 3 élusis. Je ne sais pas lesquels et je ne sais pas où ils sont. Mais on verra bien. On regardera après peut-être pour les quêtes secondaires si j'ai pas tout fini. Hein. Je pense que normalement j'aurais pas trop de mal à trouver les quêtes secondaires, mais. Si jamais c'est la merde, je chercherai. Hein. C'est l'avantage d'avoir un guide de Solus. Je l'ai jamais utilisé à part 2-3 fois ces derniers temps là, mais dans l'aventure principale, je l'ai jamais utilisé. Parce que bon, évidemment, je vais pas me faire spoiler, donc je vais pas aller lire le tout. Par contre, là, histoire de pas tourner en rond, ça peut être intéressant. Vu qu'on veut faire le 100%, savoir où c'est intéressant. Enfin, je pense que c'est pas si mal. Hop, au moins juste trouver peut-être le début de la quête après pour l'accomplir, non, mais au moins hein, savoir où elle commence quoi. Parce que sinon ça va être un peu compliqué. Ok. Déjà j'ai noté où sont les coltines, donc comme ça, je pourrais facilement trouver les emplacements des élusis, enfin plus facilement. Il me dira, ah, il y a une grotte ici. Ça devrait le faire. Jusqu'au soir, hein. On va attendre. Hein. On va attendre. Tranquillement. J'aurais pas dû commencer la quête, mais... Mais ça va, j'ai le temps, je pense. De finir l'épisode. Il y a un petit nuage, tranquillou. Je veux pas crever le gars. C'est dommage, hein. Il a pas voulu. Il a pas apprécié le fait que je lui mette une lame de feu. Je me disais ça allait le tabasser, mais non. Quel compétiteur. Ouais, bah écoute. On fait avec ce qu'on a, hein. La potion, je pense que c'est le moyen le plus efficace. Enfin, les repas. Mais l'arme dans le dos, elle était pratique pour le froid. Pour le chaud, je suis pas certain que ce soit le mieux. Mais en réalité, je pense que c'est pas mal quand même.
Mais bon, comme il a dit qu'on devait être à poil, l'arme, c'est un peu. Je trouve que c'est un peu cheaté. Mais le petit plat avant, on a bien mangé. Hop. On a chaud. Je pense que 6 minutes, ça suffit, hein. Il me semble que c'est des cycles de 5 minutes de jour, 5 minutes de nuit. À moins que ce soit 10 minutes. Non, je crois pas. Hein. Je crois que c'est 5 minutes. C'est même... Non, ça doit être plus que ça. Hein. Non, je crois que c'est 5 minutes. Donc, ça devrait être ok. Papa la papa. Que dire? Que dire? Si vous êtes fan de Zelda en septembre, il y aura évidemment Echoes of Wisdom. Et je pense qu'on aura probablement d'ici là terminé Tears of the Kingdom. Hein. Quoique, vu que je fais probablement plus qu'un seul épisode par semaine jusqu'en novembre. Il y aura peut-être moyen de temps en temps qu'il y en ait deux, mais. Ça changera pas le schmilblick. Hein. Je sais pas. Après, ça fait combien? Ça fait quand même 6 ans. Il y a 4 mois, il y a encore une quinzaine d'épisodes hein, d'ici septembre. 3 mois. Ça fait 12. Hein. Un peu plus. Plus d'une dizaine. En 10 épisodes, on peut en faire des choses. Hein. Est-ce qu'il reste que 10 épisodes? Je pense pas. Mais peut-être. En vrai, peut-être. Hein, ça dépend à quelle vitesse je fais les quêtes secondaires. Mais. Ouais, ça risque de concorder à peu, hein, à peu de choses près, quand même. Entre Echoes of Wisdom et Tears of the Kingdom, ça risque d'être assez similaire. Enfin, la fin de l'un risque d'être assez proche du début de l'autre. Bon, c'est pas mal, hein, du coup, ça fait toujours du Zelda sur la chaîne. Ça m'aurait manqué de pas avoir Zelda. Ça va être long, hein, d'attendre le prochain Zelda 3D, hein. Ouais, le prochain gros Zelda. Ça va être très très long, je crois. 2027, 2028, si on est optimiste. Hein. Par contre, ça sera une dinguerie, je pense. Parce que faut rebondir hein, après Tears of the Kingdom et Breath of the Wild. Hein. Et faut pas rester dans ce que Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ont fait. Il faut quand même changer, mais tout en gardant ce que Tears of the Kingdom et Breath of the Wild ont fait de bien. Et en ajoutant ce qui faisait aussi la saga Zelda, je pense que ça manque pas mal à beaucoup de fans. Tout ce qui est donjon, résolution des problèmes et compagnie, de manière plus, je vais pas dire linéaire, mais plus restreinte. Bon, plus restreinte, plus contrainte, plus contraignante. Là, même les styles de combat, il n'y a pas de technique de combat supplémentaire qu'on débloque. On l'a un petit peu avec le truc Iga, on l'a avec les prodiges, mais les prodiges, ils apportent pas grand-chose là finalement sur ce jeu. Donc, enfin, en termes de compétences, hein. Donc, ouais, ça serait un truc à modifier qui est des objets clés. Plus, genre, le grappin, ça serait intéressant de le retrouver, même si, ça, en vrai, dans Tears of the Kingdom et Breath of the Wild, vu qu'on escalade et tout, le grappin, ça serait juste un gain de temps. Mais ça resterait intéressant, je pense, que même dans les donjons, dans certaines surfaces, on peut pas escalader, parce que ça existe, ça, dans Tears of the Kingdom et Breath of the Wild, bah, que le grappin puisse s'y accrocher, ça pourrait. Enfin, sur certaines zones peut-être, ça pourrait rendre la chose intéressante. Mais ça, c'est plein de possibilités de gameplay. Il y a tout, hein. Il y a tout. Je pense qu'il y a eu beaucoup de limitations techniques aussi qui ont empêché les développeurs de faire ce qu'ils voulaient entièrement. Enfin, ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils auraient pu faire sur Tears of the Kingdom. Ils ont forcément été limités techniquement. Je pense au fait d'aller sous l'eau, par exemple. Je pense que Tears of the Kingdom, si on peut pas aller sous l'eau, c'est une limitation technique uniquement et pas forcément une volonté des développeurs qui était de ne pas aller sous l'eau. Je pense que c'est juste pas possible de faire en sorte que le monde soit ouvert dans les airs, dans les profondeurs, sur la terre et dans l'eau, sous l'eau, sans temps de chargement. Passer de l'un à l'autre sans temps de chargement, je pense que c'était pas possible pour la Switch à gérer. Dans un monde comme celui-ci. Hein. Vu comment est construit Breath of the Wild et compagnie, ça me paraît bizarre. Enfin, ça me paraît étrange parce que ça me paraissait être évident comme ajout, moi. Et le fait qu'il ne l'ait pas fait, je pense que c'est uniquement technique. Et c'est pas anodin qu'ils aient fait des profondeurs qui demandent entre guillemets un temps de chargement pour y descendre, hein, parce qu'il y a un temps de chargement effectivement. Mais les abîmes, ça permet de faire une transition sans temps de chargement, mais en fait il y en a un, mais tu le vois pas. Alors que dans l'eau, bah, il faut que ce soit instantané le changement. Vous voyez, ça peut pas se faire. J'arrive, je traverse la surface de l'eau et d'un coup. Faut que je vois ce qu'il y a sous l'eau et
En même temps, faut que je vois ce qu'il y a à l'extérieur. Donc la transparence à gérer, c'est trop chaud, c'est trop cool. C'était trop, je pense. Incroyable, j'ai perdu. Donc je pense que là, c'est uniquement technique qu'ils n'ont pas pu faire ça. Et c'est possible que sur Switch 2, bah, la limitation technique ne soit plus là. Donc qu'on ait un Zelda 3D qui se déroule aussi sous l'eau. Alors je n'aurais jamais cru perdre un jour, mais je dois reconnaître que ta force mentale est peu commune. Comme convenu, le gagnant remporte la mise. Tiens, voilà pour toi. Ok. On dirait bien que je vais devoir reprendre l'entraînement pour m'endosser encore plus. Je vais peut-être commencer par aller le plus au nord possible. Que mon voyage soit une véritable quête de résistance. Et bien sûr, ce, adieu. Il y a encore une quête avec lui, peut-être, hein, en Hébra. À l'épreuve de la chaleur. Ok. Bah, parfait. On a trouvé. On a fait notre quête. Ça, c'est pas mal. Bon, j'ai pas envie d'utiliser cette arme. Pas déconner. Encore, il y a un Iga. Dégage. Ok, je peux rien faire. Okay. Parfait. On va s'arrêter là pour cet épisode de Tears of the Kingdom. On se retrouve dans le prochain pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.